On l'avait mise le vendredi sur le programme, ce vendredi. Mais en fait, elle nous a téléphoné, elle nous a dit qu'elle ne pouvait pas être libre, donc elle serait là le samedi. Voilà, à partir de 14h30, voilà, sur la plage du Lazaret. Alors on démarre de là-bas, on va chanter sur la plage, et après on revient au Lazaret, où on va avoir aussi des chants, et puis du café, tatati, tatata. Voilà. Bon, maintenant, c'est Avalon Trio qu'on présente, ou qu'on ne présente plus. En tout cas, ils sont super. Voilà, merci. Bonne soirée. À tout à l'heure. Bonsoir, cette presqu'île singulière. Nous sommes ravis de participer à cette nouvelle édition 22 Vla Georges, 22 le Vla, 22 le Vla. À travers de larges grilles, que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, ses commères lorgnaient même l'endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Garogorille. Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal sourd. On ne sait pourquoi je suis. En sortant de sa cage, dit c'est aujourd'hui que je perds. Il paraît de son pucelage, vous aviez deviné, j'espère. Garogorille. Le patron de la ménagerie criait des pères du nom de nom. C'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Et qu'il a fait une engeance, ce que le singe était puceau. Au lieu de profiter de la chance, elle fit feu. Garogorille. C'est la même qui naguère le couvait d'un œil décidé de fuir, prouvant qu'elle avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron supérieur à l'homme dans l'étreinte. Bien des femmes vous le diront. Garogorille. Sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadrumain accéléra son dandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Garogorille. Bah, soupirer la centenaire la même, comme il comme désir. Ce serait extraordinaire, d'être, et pour tout dire, inespéré. Le juge pensait impossible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite, il pourra que non. Garogorille. Supposez que l'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre. Lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix. Si j'en suis convaincu, la vieille qui sera l'objet de mon choix. Garogorille. Mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait en revanche qu'il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors lui d'opter pour la vieille comme aurait fait n'importe qui. Il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Garogorille. Thank you.
La suite, oui, bien sûr, la suite serait délectable. Malheureusement, je ne peux pas la dire et c'est regrettable. Ça nous aurait fait rire un peu, car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Car oui, avant Georges Brassens, un certain poète dénommé Victor a écrit de la poésie, et bien plus tard Georges Brassens a mis en musique ses poèmes. Oui, il y en a deux, monsieur, mais vous êtes trompé, c'est pas celui-là. C'est bien loin. C'est normal, ça. La légende de la nana. Voilà, c'est ça. Venez, vous dont l'œil étincelle, pour entendre une histoire encore. Approchez, approchez, je vous dirai seul de Donia Maria del Sol. Elle était l'ange où s'entassent les collines et les alliés. Enfin, voici les deux qui passent, touchez vos rouges habillés. Il est les filles à Grenade, il en est à sa vie aussi. Qui pour la moindre sérénade à l'amour demande merci. Il n'en est que parfois s'embrasse le soir, l'air du cavalier. Enfin voici les bœufs qui passent chez vos rouges tapis. Ce n'est pas sur ce ton frivole qu'il faut parler de Padilla, car jamais prunelle espagnole d'un feu plus chaste ne brilla. Elle fuyait ce qui pourchasse les filles sous le peuplier. Enfin voici les bœufs qui passent chez vos rouges tapis. Elle prit le voile à Tolède au grand soupir des gens du lieu. Comme si quand on n'est pas laide on avait droit d'épouser Dieu. Peu s'en fallut que ne pleurassent les soudards et les écoliers. Enfin voici les bœufs qui passent chez vos rouges tapis. Or, la belle à peine cloîtrée, amour en son cœur s'installa. Un fier brigand de la contrée vint alors et me voilà. Quelquefois les brigands surpassent un audace des chevaliers. Enfin voici les bœufs qui passent chez vos rouges tapis. Il était laid, les traits austères, la main plus rude que le gant. Mais l'amour, ah l'amour, l'amour a bien des mystères. Et la nonne est mal brillante. On voit des biches qui remplacent leur beau cerf par des sangliers. Enfin voici les bœufs qui passent chez vos rouges tapis. La nonne osa, dit la chronique, au brigand par l'enfer conduit. Au pied de Sainte Véronique, donnez rendez-vous la nuit, à l'heure où les corbeaux croissent, volant dans l'ombre par milliers. Enfin voici les bœufs qui passent chez vos rouges tablis. Or, quand dans la nef descendue, la nonne appela le bandit. Est-ce qu'il y a d'autres nonnes dans la salle qui veulent appeler le bandit? Allez-y. Il peut y avoir des non-nains aussi, hein. Eh bien, t'as, au lieu de la voix attendue, c'est la foudre qui répondit. Dieu voulut que ses coups frappassent les amants par cet enlier. Enfin, voici les bœufs qui passent chez vos rouges tabliers. Cette histoire de la novice, Saint-Ildefonse avait voulu, afin de préserver du vice les vierges qui font la
leur salut. Les prières arabes qu'on tasse dans tous les courants réguliers. Enfin voici les bœufs qui passent chez vos rouges tapis. La 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 la. Enfin voici les bœufs qui passent chez vos rouges tapis. La 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 la. Enfin voici les bœufs qui passent chez vos rouges tapis. N'est certainement pas un spectacle qui du point de vue de l'esthétique puisse vous élever au pinacle. Il y eut pourtant dans le vieux Paris un honnête homme sans mêle qui glisse prudent contempler le nombril la femme d'un agent de poule qui glisse. Je me fais vieux, j'ai mis cette idée durant le cours de ma vie. J'ai vu bon nombre de nombrils de toutes les femme de Boulien, femme de Croque-Mort, femme de Jouk, glisse. Mais je n'ai jamais vu celui de la femme d'un agent de poule, glisse. Mon père a vu comme je vous vois des nombrils de femmes de gendarmes. Mon frère a goûté plus d'une fois de ceux des femmes d'inspecteurs les charmes. Mon fils vit le nombril, la souris d'un ministre de la justice. Ainsi j'ai mis cet homme public, cet honnête homme de fédéral, dans la légitime d'un flic tendant son nom, il se courra. Lui dis je m'en vais mettre fin à votre pénible supplice. Vous faire voir le nombril enfin la femme d'un agent de poule. Alléluia. Georges Brassens, on dit que Georges Brassens n'était pas un militant, mais il a quand même signé des pétitions pour le bien-être des animaux, par exemple, mais aussi pour l'abolition de la peine de mort. Le gorille est une chanson qui a ce thème-là, et là en voici une autre, mais beaucoup plus solennelle. Anticlérical, fanatique, gros mangeur d'ecclésiastique, cet aveu me coûte beaucoup. Mais ces hommes d'église, hélas, ne sont pas tous des dégueulasses. Témoin le curé de chez nous,
Quand la foule qui se déchaîne pendit un homme au bout d'un chêne, sans forme aucune de remords. Ce canard fit un scandale et rugit à travers les stalles morts, à toute peine de mort. Puis on le vit, étrange rite qui baptisait les marguerites avec l'eau de son bénitier. Puis qui prodiguait les hosties, le pain béni, l'eucharistie, aux petits oiseaux du moutier. Ensuite, il retroussa ses manches, prit son goupillon des dimanches et prit d'une sainte colère. Il partit comme à l'offensive dire une grand-messe exclusive à celui qui dansait en l'air. C'est à du gibier de potence qu'en cette triste circonstance l'hommage sacré fut rendu. Ce jour-là, le rôle du Christ, bonne aubaine pour le touriste, était joué par un pendu. Et maintenant, quand on croise nous, les païens de sa paroisse, c'est pas lui qu'on veut. Déprisé. Quand on crie à bas la calotte, à s'en faire péter la clotte, la sienne n'est jamais visée. Anticléricaux, fanatiques, gros mangeurs d'ecclésiastique, quand vous vous coinfrerez un plat de cureton, je vous exhorte, camarades, à faire en sorte que ce ne soit pas celui-là. Je vais laisser ma voix à l'artiste qui ce soir sur scène nous joue de l'accordéon et bientôt du caron qui a joué de l'accordina. Sourire ensoleillé, yeux d'azur, doigts de nacre, voix de velours, c'est Dorine Duché. Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appellent. Ça s'appelle des filles de joie. C'est pas tous les jours qu'elles rigolent.
bananes, c'est jamais pour leur flore. Fils de Pécor et de Minus. Fils de Pécor et de Minus. Ris pas de la pauvre Vénus. Ris pas de la pauvre Vénus. La pauvre vieille casserole. Parole. Parole. La pauvre vieille casserole. Et maintenant, il va faire courir ses doigts lyriques sur ses cordes électriques. Lui aussi à l'accordéon, bientôt un jour, t'as pas été encore à l'accordéon, c'est ça? Au Caron, son nom signifie étymologiquement parlant du ruisseau. C'est Claude Del Rieu. Pour la chanson suivante, si vous le souhaitez, vous pouvez nous souffler chaque fois la dernière syllabe de chaque couplet. Mort bleu,
morbleu. Georges Brassens a rendu un hommage à un musicien et on s'est dit que nous-mêmes, pour rendre hommage à Georges Brassens et à ce musicien, nous allons vous jouer des notes de cette mélodie. Mais là, je vais vous laisser, puisque j'ai la chance d'être entouré de talentueux, talentueuses musiciens, musiciennes. Je vais vous laisser en présence de Dorine Duché et Claude Delrieux. Thank you.
peut les saluer. Ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon. Tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Tant ils sont devenus des têtes chenues, des grisons. Tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Quand on ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Quand on est 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre nous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière valse, vieux con de neige d'antan. Petit con de la dernière valse, vieux con de neige d'antan. Vous, les cons, c'est quoi? Doucement. Vous, les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons, qui le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Et écoutez le partial message d'un qui balance entre deux âges. T'en ne fais rien à l'affaire, quand on est con, ben on est con. Qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière valse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière valse, vieux con des neiges d'antan. Vieux con des neiges d'antan. Vieux con des neiges d'antan. Alors maintenant, nous allons à la capitale. Il faut faire attention parce que 7, ça, bientôt, ça va ressembler à la capitale. Ça va prendre la place de la capitale. Avec plein de parkings souterrains. On va se croire à Paris bientôt. Y a d'autres sujets qui peuvent amener le désordre. Par exemple, si je donne la recette des moules farcies de ma grand-mère, je suis sûr qu'il y en a 54 000 recettes après. Ça va tenir à Paris. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, est un vieux bistrot tenu par un gros dégueulasse. Si t'as le bec fin, s'il te faut du vin, première classe, va boire à Passy le nectar d'ici, te dépasse. Mais si t'as le gosier d'une armure d'acier,
qui fera dans le dos des cornasses gros, dégueulasses. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, une espèce de fée d'un vieux bouche à fée, un palace. De Delrieux. Taciturne, il préside aux choses du temps. Il porte un joli nom Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. Il porte un joli nom Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. En allant son chemin morose pour se désennuyer un peu, il joue à bousculer les roses. Le temps tue, le temps comme il peut. Il joue à bousculer les roses. Le temps tue, le temps comme il peut. Cette saison, ma belle, qui a fait les frais de son jeu, toi qui as payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux, toi qui as payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux, c'est pas vilain, les fleurs d'automne.
Dorine Duché. Merci. Maintenant, c'est la chanson avant le rappel qu'on va faire. Donc, je vous rappelle que c'est la chanson avant le rappel. Dans nos petites amours d'un jour, toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours. C'est là le sort de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste vite un bec pour nos baisers qu'avec et les joies. Et les bouderies, les fâcheries, les bons retours. Il y a tout ça en raccourci, les grands amours, nos petits. On arrive à se baiser sur les nénas, les nénés, dans les cheveux à plein béco. Dans un seul jour, content, pas content, mais content, il y a dans la chambre une odeur d'amour tant et de goudron, ça vous met de la joie au cœur. À peine si et c'est bon, on n'est pas là pour causer, mais on pense que même dans l'amour, on pense que demain. Faire fondre la pigeotante.
dernière chanson, effectivement, je voudrais la dédier à mes aïeux, qui sont un peu au cimetière marin, un peu à l'autre cimetière aussi. Mais également, je dois dire qu'il y a 40 ans, j'étais là-bas sur le parapet avec José Capel. Et donc, je voudrais lui dédier cette chanson également. Camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez me poursuit d'un zèle imbécile. J'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un codicille. Trempe dans l'encre bleue du golfe du Lion, trempe, trempe ta plume au mon vieux tabellion, et de ta plus belle écriture. Note ce qu'il faudrait qu'il advienne de mon corps, lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord, que sur un seul point, la rupture. Quand mon âme aura pris son vol à l'horizon, vers celle de Gavroche et de Mimi Pinson, celle des Titi, des Grisettes, vers le sol natal, mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris méditerranéen, terminus sangareux de cette. Mon caveau de famille, hélas, n'est pas tout neuf, vulgairement parlant, il est plein comme un œuf, et d'ici que quelqu'un en sorte, risque de se faire tarer, je ne peux dire à ces braves gens, mais poussez-vous donc un peu, place aux jeunes en quelque sorte. Juste au bord de la mer, à deux pas des flots bleus, creusez si c'est possible un petit trou moelleux, une bonne petite niche, près de mes amis d'enfance, le dauphin, le long de cette grève où le sable est si fin, sur la plage de la Corniche. C'est une plage où même à ces moments furieux, Neptune ne se prend jamais trop au sérieux, ou quand un bateau fait naufrage, le capitaine crie, je suis le maître à bord, sauve qui peut le vin et le pastis d'abord, chacun sa bonbonne et courage. Et c'est là que jadis, à 15 ans révolus, à l'âge où s'amuser tout seul ne suffit plus, je connus la prime amoureuse d'une sirène, une femme poisson. J'ai reçu de l'amour la première leçon. Avalez-la, 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 première arête. Déférence gardée envers Paul Valéry, moi l'humble troubadour, sur lui je renchéris. Le bon maître me le pardonne, et qu'au moins si ses vers valent mieux que les miens, mon cimetière soit plus marin que le sien, et n'en déplaise aux autochtones.
sans sandwich entre le ciel et l'eau, ne mènera pas une ombre triste au tableau, mais un charme indéfinissable. Les baigneuses s'en serviront de paravent pour changer de tenue, et les petits enfants diront chouette, un château. C'est trop demandé sur mon petit lopin. Plantez, je vous en prie, une espèce de pain. Pain parasol de préférence. Qui saura prémunir contre l'insolation les bons amis venus faire sur ma concession d'affectueuse révérence. Thank you.
Merci. Merci, on remercie Théo, ici, qui nous a fait un son magnifique. Dominique, Tommy et son petit-fils Mathis. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous. Bravo, Seth. Ouais. Merci, c'était Avalon Trio. Un grand merci. Dans 10 minutes... Pardon. Réclame, Dominique, excuse-moi, un moment de réclame. J'ai des albums de ce spectacle. Il y a un album consacré à Brassens et puis il y en a un autre Ferrat. Et donc, si vous le souhaitez, ensuite, demain, on joue à l'Excelsior, après à l'Espace Brassens et ailleurs. Et puis, merci beaucoup à vous. Merci. Merci encore. Bravo. Dans 10 minutes, les Azouzélés. Merci. Allez, on y va. Voilà. C'est l'heure de la tombola. Pour les habitués. Alors, ce soir, on a dans le petit sac Brassens un livre Fêtes et traditions du Languedoc. Voilà, offert par la papeterie. Alors, j'arrive pas à lire, mais ils se reconnaîtront. Pardon ? Mais non, c'est parce que Christine, elle compte bien, mais elle écrit mal. Après, il y a des sacs de produits de la pharmacie Ricciardi à Balaruc. On les remercie parce qu'ils sont quand même pas tout à côté. C'est pas rien. Voilà. Un carnet de cuisine de la papeterie Paul Valéry.